Alors ici, vous avez les premiers pieds de moringa et les pieds du semis de l'année passée, le premier semis. Voilà, la croissance, elle est appréciable à ce niveau et la densité aussi n'est pas mal. Donc, vous pouvez constater ici, il y a déjà des fruits qui sont déjà bien formés au niveau de ce pied-là, vous pouvez constater. C'est de la même manière, il y a d'autres pieds étant bien des semis tardifs. On commençait pas à fleurir déjà. Voilà, vous pouvez constater la fleur là. Et les autres pieds, aussi bien comme le premier cas que je viens de vous montrer, on commençait pas à fructifier. Donc là, vous avez ce pied-là qui a fructifié déjà. Ce pied qui a aussi qui porte aussi des fruits. Et les autres pieds qui sont aussi à côté, qui portent également de fruits. Donc c'est intéressant à ce niveau. Si on avait cette densité dans tout le champ, vraiment je pense pas qu'on allait se plaindre, hein. Sinon ça l'est intéressant à ce niveau et on ne se reproche absolument rien ici. Vous pouvez constater avec moi. Donc la fructification y est. Et je pense que ça fait partie des points positifs du site. C'est vrai, il y a de vide par endroit et que nous sommes en train de combler progressivement. Il y a toujours des petits pieds et par endroit et qui ne sont pas encore très développés. Je pense avant la fin de cette saison pluvieuse, ça va, ces pieds vont atteindre un certain niveau de croissance. Voilà un peu le rapport que je peux faire par rapport au moringa du premier semis.